Salut à tous, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un thème un peu plus sérieux. C'est pour les parents d'enfants homo. Parce que situation compliquée un peu pour tout le monde. On sait que pour les enfants, pour les gens, c'est dur d'assumer leur homosexualité auprès de leurs parents. Et à l'inverse, pour les parents, c'est pas évident non plus, parce que c'est pas ce qu'ils s'imaginaient depuis 10, 15, 20, 30 ans. Comment faire un peu dans ces cas-là? Faut dédramatiser, c'est pas la fin du monde. Voilà, avec le temps, tout va passer, tout va s'améliorer. Vous allez vous y faire, vous allez apprendre ce que c'est vraiment l'homosexualité et qu'au final, ça change pas votre enfant, c'est toujours le même. Donc, dédramatiser. Numéro 2, c'est pas de votre faute. Non, vous avez rien fait de mal, vous n'avez rien raté. C'est comme ça et vous allez vous en remettre. Ça, c'est pour les parents qui sont un petit peu durs avec leurs enfants parce qu'après, on a même des amis qui voient plus leurs parents. Oui. On n'a qu'une famille. Donc, il ne faut pas aller trop loin, rejeter ses enfants. Enfin, vous avez fait votre enfant quand même, il faut l'assumer. Oui, tant pis. Il n'aurait qu'une jambe, vous l'auriez jeté. Hein. Ça paraît un peu dément. Ensuite, il faut connaître un petit peu la communauté homosexuelle. Et il ne faut pas avoir trop peur. C'est pas parce qu'il est gay qu'il va forcément arrêter ses études. Qu'il va se faire des mecs tous les soirs. Qu'il va se teindre en blond. Enfin... Voilà, faire drag queen ou... On trouve aussi qu'il y a quand même... Ça arrive souvent que du coup les parents le vivent très mal, du coup les enfants partent de chez eux, du coup ils arrêtent leurs études et ça c'est jusqu'à la fin de leur vie. Et quand t'as un enfant, ton but c'était quand même de l'emmener le plus loin possible. Mm-hmm. Et c'est pas parce qu'il est gay que du coup on doit tout abandonner. L'amour entre les parents et les enfants c'est quand même super important. On a que deux parents et du coup faut quand même c'est une relation sacrée. Et c'est pas facile pour... autant c'est pas facile pour vous, mais c'est aussi pas facile pour votre enfant. Non, parce que c'est dur, même s'ils disent que c'est pas grave, je m'en remettrai, mais bon, ça manque toujours. Ne pas avoir le soutien et l'acceptation de ses parents, ça reste quand même un point. Surtout que vous partirez avant vos enfants, et du coup, il n'y aura plus moyen de rattraper ça après. Et du coup, ça sera vraiment pour toute leur vie, et ça se portera même peut-être sur leurs enfants, puisque maintenant on peut adopter. Et donc c'est quand même dommage de casser toute une... Voilà, cette vidéo était pas très drôle. Non, mais c'est à cause de vous si vous êtes pas plus sympa. Oui, il faut être gentil avec les enfants. Prenez votre temps. Mais oui. Et ça va passer tout seul. Ça va passer, il n'y a pas mort d'homme. Enfin, ça va. Vous voyez, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. On a un business tous les deux. Ne vous inquiétez pas, votre enfant aussi va y arriver. Ouais. Il faut juste l'accompagner. Voilà. Bon allez, on vous dit à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, thumbs up. Si vous voulez des trucs plus drôles, souscrivez. Les vidéos seront plus marrantes. Allez, à bientôt. Bisous.